monsieur Lanson Balagon, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes en pleine campagne. Aujourd'hui, vous êtes à Avepozou. Quel est le message que vous allez apporter aux populations d'Avepozou ce soir? Oui, bon, aujourd'hui, nous avons apporté ce message simple. Que nous, c'est pour gouverner dans la transparence et faire développer notre commune. C'est notre message de base pour cette communauté. Et nous l'avons signifié. Comme quoi, tout ce que nous avons passé dans les temps, ça fait plus de 50 ans, que nous, on doit essayer de donner une autre vision, un autre développement à notre commune. C'est ce que nous voulons faire, donner une autre image à notre commune. Et nous avons cité des exemples, par exemple, notre rue principale au niveau de Monument Baguida, par exemple. Depuis, c'est de la merde. Tu ne peux pas passer par là, surtout quand il pleut. Donc, on leur a expliqué certaines choses et on leur a expliqué aussi comment voter pour que leur vote soit utile au moment opportun. Voilà en quelque sorte ce que nous leur avons signé. À part nos programmes, on leur a expliqué ces choses. Voilà, ce n'est pas un secret, le canton de Baguida ou la commune de Baguida est malade. Et vous vivez dans cette localité, notamment avec Pozo ici. Quelles sont les difficultés que vous avez en matière de développement ou en matière d'infrastructure? Oui, en matière d'infrastructure, par exemple, nous n'avons même pas un petit centre de santé à Avepozou. Alors qu'Avepozou n'est plus un petit village, c'est un grand village. Et voilà que si tu es malade, il faut aller à Lomé. Baguida, on a un petit centre SMS, mais ce n'est pas ça. S'il y a des sujets, il faut aller à Bay. Alors que Bay, ce n'est pas à 5 km ou à... Oui, ce n'est pas à 5 km de chez nous. Donc il faut qu'on ait un petit centre de santé digne de ce nom pour traiter au moins les petites maladies, gérer au moins le paludisme et autres. Bon, c'est ça que nous voulons. Et, par exemple, notre état civil, on n'a pas d'état civil ici, et l'état civil qui existait, tu ne peux pas te pointer, par exemple, au niveau du service par soi, c'est un exemple, parmi tant d'autres, avec la naissance d'un enfant né à Baguida, né à Avepozou, né dans notre zone, et être reçu. Le dossier va être rejeté immédiatement parce que quand on pourra vérifier, on n'aura même pas la souche pour vérifier. Donc tout ça là, on doit remédier à ça pour que nos enfants ou bien ceux qui vont faire leur naissance ici ne vont plus rencontrer ce genre de problèmes. Voilà. Voilà, il y a pas mal de problèmes. Vous avez rassuré la population à voter ici. Oui. Nous avons rassuré la population à nous accorder leur voix côté ANC pour que nous, sur ce que nous voulons faire et corriger dans notre zone, on puisse le faire. Si nous avons la majorité, on pourra le faire. Si on n'a pas la majorité, bon voilà, on va rester encore comme par le passé. Donc si la population donne cette confiance, on aura à faire beaucoup de choses dans la commune de Baguida. Monsieur Lanson Balagon, merci beaucoup à vous. Je vous remercie. Merci.